Hey hey hey, salut tout le monde, c'est Blish, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 8 de Tropico 4 de notre première île. Première, hein. Qui sait, peut-être des prochaines très bientôt. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va, donc on va reprendre. Il nous reste un peu moins de 10 ans à tirer dans cette partie. Nous devons toujours atteindre notre population à 750. Et comment ça s'appelle, l'happiness, donc la satisfaction, à 60, comme je l'avais dit. Regardez, maintenant nous n'avons plus aucun truc dans le rouge. C'est en dessous de 40%, je crois. Il va falloir quand même qu'on surveille un peu ça. On a 58%. Nickel, ça c'est parfait. Ah, attendez, ça couvre que cette zone-ci. Au niveau de la liberté. Eh bien, si on faisait... Hein, comment ça s'appelle? J'ai 44 000 dollars. Weather Station, non. Government, non. Éducation et médias. TV Station, non. Oh merde, alors c'est où? Ah, je vais trouver, hein, ne vous inquiétez pas. Garage Temp. Tac tac, non. Alors, c'est où? Oula, ça me plaît pas. Ah bah si, TV Station, c'est ça, donc je suis con, un peu con quand même. Enfin, TV Station, voilà, on va l'implanter, je sais pas, je dirais ici. Quick build, parce que de toute façon. Ah merde. Propaganda TV, la merde, je peux plus faire. Et on va faire Propaganda TV. Hein? Toujours mieux. On va gagner un peu des sous. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Bon, on va laisser un peu tout ça de l'autre côté. Voilà, ça c'est bien pour les habitations. 59%, il nous reste plus que 150 de population. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Tac. Non, pas forward, je veux pas ça. Je veux faire next. Un employé de 11 personnes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Farm. On peut encore faire une ferme. Non, encore faire une ferme. Moi, encore faire une ferme, ça va pas être cool ça sinon. Tenez, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut construire un peu des trucs pour l'environnement. Enfin, on s'en fout en soi. Ah, un mausolée. Je pourrais l'installer où ça? Un mausoléum, je sais pas quoi. Je veux que ça sert ce truc. Ouais, 50, non. On va faire un peu des gens. Non, voilà. Inquisition. On va voir un peu les décrets. Qu'est-ce qui peut se passer? Voilà, présidente. Free housing, ok. Nuclear testing, non. Taxquette, propriétaire, 87. Oh putain, 87 000 dollars. Oh. Ah ouais. Ils se font pas chier. Book BBQ, Sam CX, mariage. En fait, c'est dur dans les décrets quand on sait pas trop. Permit, increase your construction cost by 20% to 20. 10% of the money spent on construction will go through its bank account. Ah, dire. Si vous avez remarqué, mais nous avons normalement un compte en Suisse. Non, faut que je regarde. Un compte en Suisse. Fidel Castro. Et mon compte en Suisse est de 0$. On me doit le respect. Ça, je vous le dis. Monsieur Castro, il va où, monsieur Castro? Parce que normalement, on essaye toujours de gratter de l'argent, mais moi, j'essaye d'être un maximum. Enfin, donner un maximum pour mon île. Donc on pourra pas me dire que j'ai pas bien travaillé. Ça m'énerve un peu que ce soit. Voilà. Enfin, c'est une deuxième usine d'armes en fait. Pourquoi j'en sais rien. Landmine. Handgun a special good for zombie domestic dispute. Ah bah voilà, ils ont qu'à faire ça. Handgun, c'est pistolet, c'est du pistolet en fait. Top exporter. Yeah. Super. Super, ça va pas trop notre truc. Alors, build a carriage.
garage. Ok, alors un garage, un garage, un garage, un garage, un garage, un garage, un garage. C'est vrai que pour mettre un garage ici maintenant, va la merde. Hein. Là, ça sert à rien. Là, est-ce que. Oh oui, nickel. Bon, de toute façon, il me sert plus à rien parce que je fais tout le temps du quick build. Oh bah pff, allez-y, hein, 7000$ si c'est que ça. Oh putain, c'est passé rapidement la nuit, je trouve. Oh, à moins. Oh merde, une tornade. Oh putain, oh non, le bordel. Ah, il va tout me péter, ce bâtard. Eduarda Cordova has become a rebel. On s'en bat les couilles de lui. Bon, bah d'accord, on va devoir reconstruire certains petits bâtiments. Putain, oh non, pas ça. S'il vous plaît. Bon, un bâtiment en moins. En plus, c'est bien parce qu'il cible les bâtiments. Alors, c'est quoi ça? Non, ça, je m'en fous, ça. Oh putain, un hôpital. Oh bah, les gens qui sont dedans, ils sont morts, hein. Tant pis. Passe à côté, là. Oh non, pas moi, il se coule, hein, s'il vous plaît. Pas, vous pouvez pas, ouais, niquez ça, j'en ai rien à foutre, mais je sens plus. Oh bah voilà, ok. Allez, vas-y, casse-toi maintenant. Non, s'il te plaît, arrête. Oh putain. Oh non, je crois qu'il est en feu, bah tu vois. Oh bordel. Je vais crier, pleurer et tout le reste, putain. Allez, allez, vous, allez, casse-toi. Bon, c'est pas grave, on va s'occuper des choses en attendant. On peut genre, y a aucun genre aucun bateau qui s'en va et qui. Les dockers ils sont où? Bon. Alors deux chantiers, one pub, un hôpital. On a tué 5. Enfin, ça a tué 5 personnes. Pff, ouais bon, franchement, le prix que ça va me coûter, par l'hôpital qui va me coûter 12 000 et qui va me faire un peu mal aux fesses, ça va. J'en ai reconstruit que 3 là. 150$. Hein. Ouais, ça va. Non, juste ça, je vais mettre à fond parce que j'en ai besoin. Regardez, happiness 61%. On a atteint ce qu'on voulait, 61%. N'est-ce pas magnifique? Magnifique, j'ai dit magnifique. Alors, environnement 53%. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Landmark and Beauty Garden. Vous savez, on les met n'importe où. On s'en fout, hein. Ils sont gentils, ils sont contents, ils sont heureux. On les met quand même n'importe où, mais. Alors, use. Je sais même pas comment. Je sais qu'on peut les changer. Ah ouais, c'est mieux quand même. Ouais, parce que c'est une espèce de statue à la con là. Merci, mais. Pff, c'est moche. En fait, je les mets là où je peux rien mettre d'autre. Hein. Oh, là, je vais pouvoir mettre un bâtiment. Pff, je sais pas, là, de toute façon, je peux rien mettre. Voilà, je peux juste augmenter trop l'environnement, mais c'est pas grave. C'est joli. En soi, on s'en fout. Ils sont contents, ils ont trois fleurs. Personnellement, j'en ai rien à foutre. Mais c'est pas grave. Bon, il nous reste une petite. Oh, il nous reste 8 ans à tirer. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais c'est vrai qu'après. Je vais vous dire, arriver à la fin. Enfin, arriver à une ville comme ça, hein, regardez, elle est quand même vaste. À part s'étendre sur toute l'île. Il n'y a plus vraiment de but premier. Hein. Et vous avez, est-ce que vous avez quand même remarqué que. Food for the Macy's Comrade, please take a simple. Oh putain, il y a plus cette. Là, regardez, la religion, on n'a jamais réussi à atteindre des 60% quand même. Hein. C'est pas grave, mais. Oula, 60%, va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Food and Resource Farm. Corn, banana, papaya, pineapple, coffee, tobacco, sugar. Banana. Si on faisait pousser des bananes. Bananes. On peut faire pousser les bananes. Grosse banane, allez. Pousse les bananes, c'est bon.
This is a private, ok, private building, ok, bah c'est super, j'en ai un là. Bon, on va aller refaire le gros construire hein, pour 800$, je veux dire, sur ce qu'on gagne, c'est quand même pas énorme. Quelle heure est-il? 22h45, oh bah je peux bien faire tirer un quart d'heure de plus. Rebelle attaque. Pourquoi ils attaquent? En plus j'attaque le mausolée ces bâtards. Oh là là. Oh oui. C'est vrai que j'ai tellement peur. Regarde, les mecs de mon armée sont déjà là quoi. Oh mais la grosse blague. Franchement l'attaque des rebelles. Ah là là, quelle blague. Ils sont 4. Franchement. Ça leur fait plaisir de crever comme ça. Enfin je sais pas mais... Booby traps. Science rebel descending. Everything will go down. Pièce rebel, pièce that. Ok, je sais pas ce que c'est. Oh, c'est genre un truc de protection ou un truc comme ça. Bon alors. Bah alors, ils sont où? Je les attends. Vu qu'on a pas grand chose à faire. Nightclub. Non, mais franchement, la blague quoi. Il y en a qui s'est échappé déjà. Mais ils sont genre dans quoi? Ah mais ils étaient... J'avais l'impression qu'ils s'étaient rentrés dedans. Private the law, je vais te faire foutre. Oh, voilà. On a perdu un mec. C'était des clochards en plus hein, les mecs. Super. Ah, ce que j'aurais pu acheter. Oh, qu'est-ce que je peux acheter? 112 000 en même temps, qu'est-ce qui me manque? Fire station. Programme, non, nucléaire programme, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il leur manque pour augmenter un peu qualité de job? Ok, environnement, j'ai gagné 4%. Housing, quality et religion. Ah ben, c'est ce qu'on va leur faire. Ils sont tellement comment dire, attirés par la religion qu'on va leur construire une autre cathédrale. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils sont chiants. Hein, ils ont qu'à aller prier quelqu'un d'autre. Hein. Religion, il n'y a pas que ça dans la vie. Hein. On va dire que, bon, non, j'avais déjà dit dans une autre vidéo, pas d'opinion sur les religions, chacun pense ce qu'il veut. Voilà, hein, on va rester clair. Mais ce putain de bordel de trucs de... Voilà, ça prend de la place. C'est pas que, mais... Oh. Bon, vous savez quoi, on l'a construit là, on va faire une route, on va pas se faire chier, parce que là, je me fais chier. Et quand je me fais chier, ça va plus. Alors, tu vas prendre, Presidente. Que t'as rien, et on a donné 10 maps. 250$. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a gratté? Ah, ok. Je comprends. Hola, vamos a jugar. Ah, c'est ce que je peux faire, c'est ça. Ah, mais j'ai déjà fait une game, c'est à dire. Ah non, je l'ai pas. C'est juste que. Il veut constructeur. Ah, mais c'est ça que je veux. Je vais la mettre là. Vous allez voir, c'est énorme. Alors. Accepte. Qu'est-ce que ça me perd de toute façon? Give 7000$, ça c'est pas un problème. 20 000 dans 2 mois. Bah, ils ont intérêt de se bouger pour me donner un peu plus d'argent parce que je vais pas aller loin. Mais attendez. C'est moi ou. Je dirais. Ah non, d'accord. En fait, j'ai compris. En gros, si les rebelles viennent, ça explose. Already construct. Science rebels are so fond of destroying your mausoleum. Why don't you booby trap it for them? Ah d'accord. J'ai pas bien cerné la chose. En gros, ce serait de faire péter le bâtiment avant qu'ils le fassent péter eux et que ça les défonce quoi. Bon, pourquoi pas. Hein. Ça peut être une idée. Ah. Alors, cigar factory, furniture factory. Wait, je sais pas ce que ça veut dire. Allez, cigar factory, on va le construire. On sait rien là. De toute façon, c'est pas moi qui vais en retirer non plus des. Là, y a plus rien. C'est nul. Ce bus is not the electro. Oh, ok, je peux. Non, je peux connecter le truc électrique. Oh, bah merde.
Ah ouais, tant pis, tiens. Tant pis. Oh, on va me saouler, hein. Oh, regardez. Je suis dans le rouge. Oh putain, ça fait longtemps. Bon, je vais pas y être longtemps, mais c'est vrai que ça fait super longtemps que j'étais pas allé dans le rouge. Alors, de moins 5000, je passe à combien? Oh putain, ils sont les dockers. Oh, les connards. No, it's not our treasure. Ok, merci. Oh non, putain. Ils sont où ces cons? Every little bit helps. One free winter. Encore? Putain, mais ils m'en donnent des trucs de factory de weapons là. Putain, mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et merde, je suis baisé. Oh, hop, putain, peut-être que... Non, vous allez voir, le bateau va se barrer avant. Hop, 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 hop. Please, 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 allez. Pff, mais on s'en fout. On s'en fout de ta lame à houle. Oh, mais putain, enfin. Il y en a mis du temps. Bon, c'est pas grave, c'est bon. On va avoir quelques 80 000 d'avance. Ouais, ouais, on va avoir 80 000 d'avance, c'est bon. 80 000, c'est bon. Vous le savez. Regardez. Oh non, le chiffre du diable. 666 de population. Je me préfère ne pas regarder. C'est mieux. C'est moyen, c'est bon. Oh, bah, là, on peut faire un truc de sel. Je vais même pas regarder les mines. De toute façon, ça sert plus à rien. C'est-à-dire que... Voilà, bon, on est à 63%. Ça, ça atteint tranquillement, tranquillement. On va dire... Il y a plus grande utilité en fait. Arrivé à un certain stade de jeu, je vais pas dire que le jeu devient lassant, mais c'est vrai que au bout d'un certain moment, il y a plus de but réel. À part que ce soit les embouteillages, bon bah c'est vrai quoi, ça c'est la vérité. Mais sinon il n'y a pas vraiment de but réel à part quand on gagne 100 000 ou 50 000, 5, même 100 000 à la fois, ma foi. Alors lui, c'est bien parce que lui, il passe sous les... D'accord, oui. La plateforme pétrolière, il passe dessous. Ah, mais il fallait... Ah, mais je crois qu'elle... Okay. C'est vrai que... Oui, non, ça a plus de... Requires Master. Ok, et j'ai pas de ministre de l'éducation. Mais va te faire foutre. Above, good, good, below, above, average, poor, good. Celui-là. Yeah, c'est vrai qu'il y a plus trop d'intérêt. Je suis d'accord, il n'y a plus trop d'intérêt. Mais bon. C'est toujours jouissif de toute façon. Mais c'est vrai que il faut des crises, des rebelles, des. Il faut plein de choses comme ça. Oh regardez, un camion de pompiers. Ils sont vraiment vieux hein, quand même. Fire Station, je sais même plus où je l'ai mise. Oh. C'était quoi ça? Merde. Un des bâtiments que j'ai pas reconstruit. Oh shit. Oh putain, j'ai 61%. What? J'étais à 63 il y a les genre genre 2 minutes quoi. Bon, c'est pas. J'ai bientôt 700 de population, c'est super. Qu'est-ce qui ne va pas? En religion, housing. Qu'est-ce que je peux construire? Bah, des appartements. Tac tac. Tac. J'ai pas assez d'argent. Alors pas de quick build. Hein. On va pas se ruiner. 12 nouvelles immigrants. Je sens que j'ai blindé de chômage. Ouf. Ah ouais, 35, ça commence à faire mal. Bon, bah, vous savez quoi? C'est toujours bien pour employer des gens. Le construction office. C'est l'endroit où, tu sais, là, les, vous savez, vous en avez déjà parlé. L'endroit où... Ah les builds, bordel. Comment dire? C'est les gens qui vont construire les autres bâtiments quoi en gros. C'est les maçons quoi. Tout simplement, c'est les maçons. C'est les maçons de Tropico. De toute façon, regardez tout ce qu'il y a encore à construire. Ils sont toujours en train de râler. 35. Super. Super. Bon.
1973, on a quand même pas trop trop mal avancé. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça doit faire presque une demi-heure qu'on est là. Ouais, je pense qu'on va arrêter. On va arrêter là. On va attendre 1974. Il reste 4 mois. Et puis après, on va s'arrêter. C'est-à-dire à peu près quand le prochain bateau arrivera. À peu près. Export weapons. Repose weapons fashionable weapons if you accept this task. Allez, vas-y. Build permis edict. Non, dismiss. Non, dismiss, ouais. Garage overload. Ah bah voilà. Et bah c'est leur problème, hein. Ils ont pas qu'à regarder. Car service 468. Franchement, comment on peut mettre 460 voitures dans un parking à un étage? Putain, qu'est-ce qu'ils sont forts. Mais c'est vrai, regardez, les voitures, elles apparaissent, elles disparaissent, elles vont dans le mur. Ça c'est trop bien fait. Et si on prenait une vue de la ville comme ça, coucher de soleil, non. Pas coucher de soleil, mais soleil, rien que le soleil. Voilà quoi, une belle petite ville tranquillou. Ça fait toujours du bien, ça se construit tranquillement. Oh mais non, je peux construire ça, c'est bon. On a notre population. Oh ben voilà, 1974. C'est nickel. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, on va mettre un petit pause. Une petite pause, c'est mieux quand même, c'est plus français. Bon, on aura quand même pas mal avancé. On aura atteint notre objectif de happiness à 63%. Ça, c'est un bon point. Et puis voilà, quoi, en gros, on a fait la grande... je perds mes mots, super, je bafouille. Non, on aura fait une bonne partie, c'est vrai. Je suis content de ma partie d'aujourd'hui. Une bonne petite demi-heure, je crois bien. Toujours intéressant, qu'est-ce qu'il veut, tac tac, comme run, ok, on build range, ok, on s'en fout, on l'accepte pour la prochaine fois. Bon, on va s'arrêter là, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère aussi que cette série vous plaît. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très très bientôt, hein, sur ce Tropico autant que sur d'autres jeux. En tout cas, portez-vous bien, et puis à bientôt, salut tout le monde.